Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Stevie Boulet. Bonsoir. Valérie Mérès. Christine Bravo. Gérard Miller. Bonsoir. Jérémy Michalak. Bonsoir. Et Sophie Garel. Ouais. Alors c'est l'événement du jour. C'est l'événement du jour, on ne peut parler que de ça. C'est dans tous les journaux aujourd'hui. Stevie, vous allez avoir votre marionnette au guignol. Ouais, mais je suis hyper content et flatté. C'est vrai? On disait que j'avais pas ma place dans le PAF. Apparemment, si. Ouais, bah, le mec qui est moins content, c'est celui qui va mettre sa main dedans. Moi, j'ai eu... Bon, non, faut prendre ça à la dérision. C'est ouais. Plutôt un... C'est... Pour quelqu'un comme moi, c'est plutôt un honneur. Bah oui. J'arrive de pas grand-chose, j'ai fait une émission avec vous, j'ai fait une émission avant. Je c'est me retrouve pas grand-chose, une émission avec lui. Mais si, mais non, pas ça, mais je suis pas un homme politique. C'est bon fait, toi. Non, mais c'est pas ça. J'en serais malade, mais vous rendez pas compte que vous allez en prendre plein la gueule. Mais je m'en fous, mais il faut prendre faut ça. Tu t'imagines... Non, mais, mais je me prends pas au sérieux. Mais Stevie, tu t'imagines le matin, tes enfants à l'école, ce qu'ils vont penser? Allez. Passons à la vraie actualité du jour, c'est celle de la candidate Ségolène Royal. Évidemment, cette photo qui la montre en une du journal Libération, elle a remporté hier haut la main les primaires du Parti Socialiste. Première, titre Libé, pour le Parisien, c'est elle, Ségolène plébiscité, c'est à la une du journal Métro. Royal s'impose au PS, annonce également en première page le journal Le Figaro. En effet, avec 60% des voix des militants socialistes, la victoire de la présidente du Poitou-Charentes est en effet sans appel. Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius vont quand même recompter les voix, mais bon, ça va prendre un quart d'heure. Hein. Il n'y aura donc pas de deuxième tour, ou alors si, mais uniquement un deuxième tour entre Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius pour savoir qui fera les photocopies pour Ségolène Royal. Attention, attention, il y a quand même une bonne nouvelle pour les deux perdants. Lionel Jospin les a appelés pour leur dire qu'ils pouvaient venir planter leur tente dans son jardin sur l'île de Ré. Gérard, un commentaire. Écoutez. Le commentaire est simple, je considère que c'est une révolution à gauche et que, au-delà de toutes leurs différences, les communistes, les socialistes, les gauchistes faisaient de la politique de la même façon depuis le début du siècle dernier. Je considère qu'aujourd'hui, à gauche, il y a une autre façon de faire de la politique qui s'est imposée. C'était pas la mienne, je dois dire. Je constate que c'est celle de mes enfants et celle de la majorité des socialistes. De toute façon, elle est plutôt bonne joueuse, Ségolène Royal, malgré les propos parfois machistes de Dominique Strauss-Kahn et de Laurent Fabius pendant la campagne. Il paraît qu'elle a déjà décidé de leur donner quand même un poste dans son futur gouvernement si elle est présidente de la République. Ils seront secrétaires d'État à la parité. De son côté, parce que faut qu'on pense quand même un peu à lui, François Hollande a déclaré, c'était hier soir, être tenu à un devoir de réserve pour ses commentaires de par ses fonctions de premier secrétaire du Parti Socialiste. Il a juste fait la chenille jusqu'à 4 heures du matin. Je vais être partisan de nouveau, mais je le dis devant Stevie, est-ce que ça ne vous donne pas le sentiment que même Sarkozy, qui a pourtant le même âge, voire un peu moins que Ségolène, prend un petit coup de vieux? Je l'ai vu hier dans certains meetings, je me disais tout d'un coup, ouais. Il prend un coup de vieux. Il est tassé. Non mais est-ce que vous n'avez pas eu ce sentiment? Je pense que ce n'est pas Ségolène Royal qui donne un petit coup de vieux à Nicolas Sarkozy, c'est plutôt maintenant à droite que ça va se passer, c'est ouais. De savoir est-ce que Chirac se représente, est-ce que Michel Alliot-Marie y va? Et là, alors là, ce serait encore une plus grande révolution, parce que génial, autant ça peut faire plaisir qu'une femme représente la gauche, autant ça pourrait faire plaisir aussi qu'à droite, une femme oui. Représente la droite. Et imaginez un duel, Michel Alliot-Marie-Ségolène Royal, ce serait quand même une révolution dans ce pays. Stevie? Je suis comme vous, je lis comme vous les journaux, on n'en sait pas plus encore. Est-ce que Chirac va se représenter? C'est la grande interrogation. Mais je pense pas que ça va faire un tel bordel dans l'UMP. Parlons-en, non. Parlons-en, justement, puisque c'est quasi sûr, Ségolène Royal sera confrontée au président de la République, Jacques Chirac, puisque... En effet, on n'arrête pas de lire partout qu'il est en super forum, qu'il pourrait très bien se représenter. Le Parisien, d'ailleurs, titre que Jacques Chirac entretient le doute en ce moment, mais il a quand même pris lui aussi un petit coup de vieux, le président. D'ailleurs, on en a une preuve flagrante avec cette photo. Regardez-la bien, cette photo du Parisien. On voit bien qu'il regarde trop souvent Question pour un champion. Ah oui. Dans l'article du Parisien consacré à Monsieur Chirac, on nous dit, c'est une information incroyable, que le président Chirac posséderait un téléphone portable, vous vous rendez compte de la modernité, et il y passerait 2 ou 3 heures par jour sur son téléphone portable, peut-être pour s'habituer au cellulaire.
Le plus fou, c'est qu'il a même un MP3 dernier cri, regardez. Retour à gauche avec Georges Fraîche, le président de la région Languedoc-Roussillon, qui a suscité l'indignation générale hier suite à ses propos racistes concernant l'équipe de France de football. Le président socialiste de cette région Languedoc-Roussillon a en effet déclaré dans le Midi Libre, je cite, « Il y a 9 blacks sur 11 chez les Bleus, la normalité serait qu'il y en ait 3 ou 4. J'ai honte pour ce pays, bientôt il y aura 11 blacks ». C'est là qu'on regrette que Zinedine Zidane ne soit plus en équipe de France. Un aller-retour en TGV, il réglait ça d'un coup de boule. Hein. Gérard. Mais... Ce Fraîche fait exactement comme Le Pen à une certaine époque, c'est-à-dire à date régulière, il nous envoie ces petites piques de les merde. Les harkis. Voilà, récemment. Les harkis, les sous-hommes, avait-il dit à propos des harkis. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'évidemment, les exclusions des partis, c'est jamais bonne presse, mais on se dit comment ça se fait qu'il soit encore membre du Parti Socialiste. Il aurait pu se défendre, il a été un peu idiot, M. Fraîche, il aurait pu se défendre en disant « Mais mal compris, vous avez mal entendu, j'ai pas dit ça au journal. Je parlais rugby, il y a trop de All Blacks contre les Bleus. » Voilà ce que j'ai dit. Parlons plutôt rugby, puisqu'en effet, demain soir, le 15 de France rencontrera la Nouvelle-Zélande pour le deuxième test match. Première confrontation samedi dernier qui avait été une déroute pour les Bleus. Mais le Parisien nous dit que nos coqs français ont soif de revanche. D'ailleurs, ils ont mis au point une stratégie pour déconcentrer les joueurs néo-zélandais qui font, vous savez, ce fameux cri de guerre, le fameux AK. Une fois que les Blacks auront montré leur AK, les Bleus montreront leur kiki. D'ailleurs, nos Français se sont tellement fait écraser, piétiner lors du dernier test match que c'est pas le 15 de France qui jouera demain soir, c'est directement le 18, les pompiers. On passe à une photo de George Bush, puisque Libération nous apprend ce matin qu'un sorcier indonésien aurait jeté hier un sort au président américain avant sa visite dans le pays lundi prochain. Ce sorcier indonésien aurait sacrifié un corbeau, un serpent et une chèvre dont le sang aurait été mélangé à des brocolis et du sucre de canne. Tout ça pour jeter un sort à Bush. Franchement, ce sorcier s'est un peu emmerdé pour rien, parce que Bush, suffit de lui donner à bouffer un bretzel, il se règle son compte tout seul. En tout cas, grâce à ce sort indonésien, le président américain devrait, selon les dires de ce mage, avoir la tête qui enflerait comme un brocoli. On a des nouvelles de la Maison-Blanche. Bon, regardez, pour l'instant, rien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémy ? Depuis tout à l'heure, à chaque fois que tu sors une vanne, il dit « je l'avais ». Alors, trop tard. 3 sur 5 aujourd'hui, je suis dégoûté. Eh oui, mais c'est moi le patron. J'avais le vrai zèle, j'avais question pour un champion. On termine par un exploit, puisqu'hier, on fêtait l'arrivée du Beaujolais nouveau, et l'exploit, c'est que Christine Bravo est quand même là parmi nous aujourd'hui. Je l'ai pas goûté. Vous l'avez goûté, Gérard ? Je n'ai pas encore goûté. Ah, d'habitude, vous sacrifiez toujours à cette tradition. J'adore cette tradition, mais hier, c'était au Champagne qu'on a fêté l'événement. Du coup, le Beaujolais, ça sera pour aujourd'hui. L'événement de quoi ? Ah oui ! Parce que Ségolène, parce qu'il s'est rallié. Oh, comme il retourne sa veste, le ouais, Fabusien ! Oh là 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 ! Fabius est toujours mon ami, ça ne changera pas, mais c'était incontestablement une victoire de la démocratie et à gauche. Il a pris une rouste, Fabius, une rouste, il a pris, dis-le. Écoutez, il n'est pas très fair-play, ton Fabius. Je te le dis. Hein. Lauréat de 3 prix littéraires l'an dernier pour son ouvrage « Vers cassé », l'écrivain congolais Alain Mabankou a une fois de plus prouvé son immense talent puisque son dernier roman « Mémoire de Porc-Épic » publié au Seuil vient tout juste d'être récompensé par le prix Renaudot 2006, confirmant ainsi qu'il est l'un des meilleurs écrivains de la littérature francophone actuelle. « Mémoire de Porc-Épic » est une fable philosophique émaillée de légendes africaines. Sophie Garel a lu ce livre pour nous, mais avant de lui céder la parole, Sophie, ce sera à vous dans un instant. Accueillons l'auteur du prix Renaudot, Alain Mabankou. Poète, écrivain, fabuliste, vous avez commencé par écrire de la poésie? Ah oui, pour draguer les filles, bien sûr, c'est plus pratique. Hein. On l'écrivait au collège, on recopiait du Victor Hugo et on se faisait passer pour Victor Hugo, mais ça n'a jamais marché, j'ai pas eu assez de barbe. Alors, faut dire que vous avez un parcours extraordinaire, quand même, il faut le dire. Vous êtes né en 66 à Pointe-Noire, donc au Congo, dans une famille très modeste. Mm-hmm. Votre maman ne savait pas lire.
Non, elle ne savait pas lire, mais elle pouvait compter de l'argent. Votre papa était réceptionniste. Vous passez le bac, là-bas. Oui, À Brazzaville. Le bac de lettres et philosophie. Voilà. Faites une licence de droit à Brazzaville. Oui. Vous obtenez une bourse pour étudier en France. Oui. Et là, vous fréquentez l'université de Nantes, c'est ça? Oui. Et Paris-Créteil. Oui, le procès jusque-là va bien. Vous obtenez un DEA de droit des affaires à l'université Paris-Dauphine. Et puis, alors, vous faites des enfants, on va passer sur votre vie privée, mais divorce, et puis... et puis, vous commencez à avoir un vrai succès littéraire chez nous, il faut le dire. Oui, chez nous aussi, quand même, nous sommes tous ici. Un vrai succès, donc, pour Alain Mabanco. Alors, ce livre qui obtient en plus le prix Renaudot 2006, Sophie Garel. C'est l'histoire d'un porc-épic qui a été la mauvaise conscience d'un garçon qui s'appelle Kibali. Et ce porc-épic raconte la vie qu'il a eue avec ce gars pendant près de 42 ans, alors que le gars vient de mourir. Alors, il se tapit au pied d'un baobab, et puis il raconte sa vie au lecteur et à l'arbre qui secoue les feuilles de temps en temps et qui n'est pas dur de la feuille. Qui écoute. Donc, ce porc-épic a été choisi par le père de Kibali pour être le double nuisible. Vous pouvez avoir un double bénéfique, vous pouvez en avoir un nuisible. Souvent, vous avez un esprit pur ou un esprit malsain. Un double animal. Un double animal. Alors là, c'est un porc-épic qui va être le double de ce Kibali qui a été initié en buvant une potion magique. Il a été initié à 10 ans. Et à partir de 10 ans, ce pauvre porc-épic va être son esclave servile. Et tout ce qui bougera autour de lui et qui le dérangera, eh ben, il enverra le porc-épic qui lancera deux de ses épines, de ses aiguilles, paf, dans la tronche du mec d'en face. Et il sera oxy et ce sera fini. Alors, on va vraiment assister... Dit comme ça, on se dit, est-ce que ça peut tenir un livre, cette affaire? Alors, c'est ce que je me disais. Moi, quand je suis entrée dans ce livre, je me suis dit, bon, La Femme de la Fontaine, ça va, je la tiens bien. Maintenant, j'ai passé l'âge de ce genre de plaisanterie. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu au-delà? Parce que le petit animal qui parle et qui remue ses épines, ça m'amusait que moyennement. Mais on se prend au jeu, d'abord parce que c'est plein de poésie et que c'est écrit dans l'oralité. À savoir, c'est écrit d'un seul souffle, comme ça. Ah, il ne s'arrête pas, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point, il n'y a pas de majuscule. Et on a l'impression d'être au chevet de son petit-fils et de lui raconter une histoire avec des monstres. Enfin, c'est le petit poussé, l'ogre, les trucs comme ça. Et il y a plein de choses maléfiques et méchantes. Et il y a des sorciers. Et puis il y a des trucs très drôles parce que c'est assez amusant. Par exemple, pour déjouer le mauvais sort des féticheurs qui vont essayer de le manipuler, le Kibali en question qui tue tout le monde. Eh bien, il se met une noix de palme dans le rectum. C'est très amusant. Et avec cette petite noix de palme, il s'agite gentiment et personne ne voit le subterfuge. C'est assez rigolo. Donc, c'est drôle. Il y a de l'humour. C'est un livre... le livre est dédicacé à sa maman et je trouve que c'est charmant. C'est sa maman qui lui a raconté ses légendes africaines. Et je vous dis, moi, je me suis ennuyée au début. Je me suis dit, jamais j'aurais voté pour ce grand garçon. Il est joli garçon, mais de là, c'est ça allait. Non, j'aurais jamais voté pour lui. Et puis, petit à petit, le bouquin vous prend parce qu'effectivement, vous avez l'impression d'être vous-même le narrateur d'une histoire qui fait rêver ou qui fait peur. Même on est dans l'état d'esprit d'un enfant. Mais quoi, il va tuer même des bébés, même des enfants? Il va tuer un intellectuel? Pourquoi il va tuer tout ce monde-là? C'est pas gentil. La presse est à peu près unanime sur votre bouquin. Jubilatoire, singulier, génial, ça fait plaisir. Un mot sur le résumé de Sophie? Ah, elle a résumé de façon magistrale et je suis plus que comblé. Je ne vais pas lui lancer les piquants du porc-épic. Ah, merci, je vous l'ai gardé. Christine l'a lu aussi. Mémoire de porc-épic. Alors moi, j'ai détesté le maître du porc-épic. Qui bandit. Oui, voilà. Je l'ai détesté, mais j'ai adoré le porc-épic. Alors attendez, rien que le mot porc-épic, moi je suis morte de rire. Regarde, je vais le dire à Michel. Regarde, porc-épic, je trouve c'est un mot magique, drôle. Et tout ce livre est dans la musicalité des mots. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'a pas choisi par hasard un porc-épic. C'est que c'est quelque chose qui se dit plus que ça ne se lit. Et ce petit porc-épic traverse la page, sautille, on le voit marcher sur la page. Et ça devient comme au cinéma, comme au dessin animé, on n'est plus dans un roman. Et c'est votre talent, et je trouve que ça, c'est un talent pour un auteur exceptionnel, c'est-à-dire de faire sortir le personnage principal du livre. Il s'ébroue dans les mares, il se regarde dans les lacs, il bouge une petite patte quand il veut savoir s'il est mort ou pas.
oui. Et qu'il attend le soleil, et que vous décrivez minutieusement la patte droite qui bouge, la patte gauche, la... Écoutez, c'est magique, quoi. Il est devenu pour moi un personnage que j'ai envie de retrouver en plus. Magique, c'est le mot parfait pour ce livre. Mémoire de Porc-Épic, voilà, c'est au Seuil édition. Un commentaire? Ben, merci beaucoup. Elle s'appelle déjà Bravo, je ne peux pas faire plus. Valérie Mérès. Je suis contente, j'ai déjà lu le titre et ça m'a donné l'idée. Ça lui a pris 3 heures. Non mais attendez, laissez-moi finir. Ça m'a donné l'idée parce que moi j'avais envie d'écrire un livre mais je trouvais pas de titre. Voilà. Et ça y est, j'ai trouvé, je vais écrire Mémoire d'une vache à lait. Allez-y, j'adore son timbre, sa à façon de... Oui. Bon, ben, on en parlera. Ça, c'est uniquement physique. C'est plus que ça. Plus que le ça. Timbre, c'est plus fort que le physique. Hein. Ah oui, oui. Donc, le timbre, c'est plus fort. Vous pourriez trouver mon animal, hein. Oui, je l'ai trouvé, on en parlera. C'est ce qu'on fait avec un timbre, hein. Il faut se méfier, on lui lèche le derrière. Non, avec un timbre, le cachet de la poste fera froid, donc il n'y a pas de problème. Regardez-la. Elle est chaudée. Stevie. Alors écoutez-moi, monsieur, je suis admiratif. J'ai hâte de lire le livre. Écoutez, c'est rare. C'est rare qu'on me donne envie de lire un livre. Ça arrive parfois, mais là, j'ai vraiment envie de le lire parce que, ben voilà, pas, ne serait-ce que par votre histoire personnelle, voilà, bon, je sais pas, c'est quand il y a un bilan à faire de la vie, pour vous, la vie est belle, quoi. C'est que du bonheur. C'est très beau, c'est vrai. Ben, j'ai suivi aussi votre parcours avant d'aller aux États-Unis. Hein. J'étais un des spectateurs qui regardait... Les lofts, ouais. Oui, bien sûr. Ah. Et depuis, beaucoup de l'eau a coulé sous le pont. Ah, ben, ils ont le guignol maintenant. Ben oui. Et je suis jaloux parce que vous rentrez dans la postérité. Vous savez, oui. Les hommes politiques se battent pour avoir leur guignol. Laurent Ruquier en a... N'en parlez pas de cette idée. Jérémy Michalak. Dans le livre, donc, vous parlez de cette légende qui dit que chaque personne possède un double animal. Eh bien, j'ai trouvé, moi, le double animal de plusieurs personnes de cette équipe. Alors, il y a des vraies ressemblances physiques. Avec, pour commencer, le double animal de Gérard Miller. Donc là, il y a vraiment quelque chose. J'ai aussi trouvé, ça circule sur Internet, le double animal. Un double animal qui, à mon avis, va me valoir un licenciement. C'est le double animal de Laurent Ruquier. Le voici. Il est très mignon. Il est très très mignon. Très très mignon. Non, c'est qu'il y a une carotte dans la bouche. Et j'ai aussi pour terminer un double animal qui celui-ci va me valoir, je pense, une augmentation. C'est le double animal de Paul Vermus. Le voilà. Mais c'est quoi ce machin? Je sais pas. Dernière question, le bilan des prix littéraires cette année, puisque vous avez eu le Renaudot. Est-ce que vous avez lu les bouquins qui ont obtenu les autres prix? Par exemple, le Goncourt, Jonathan Little, Grand Prix du roman de l'Académie française aussi, Les Bienveillantes. Est-ce que vous l'avez lu? Le Little, je suis en train de le lire. 900 pages. Parce que vous savez, j'ai 8 livres enseignés en 3 mois. Donc le Little, ça fait beaucoup, mais je suis déjà captivé par cette espèce de magie dans la création littéraire. Le prix Interallié, Michel Schneider, Marilyn, dernière séance. Marilyn aussi, tout cela se trouve sur mon CV, puisqu'il était quand même en vis-à-vis. On a fait une bataille très épique pour le Renaudot. Mémoire de Porc-Épic, un roman donc qui vient d'obtenir le prix Renaudot 2006. On va vous remercier, Alain Mabankou. Merci, docteur. Merci. C'est évidemment l'actualité du jour. Hier soir tard, on a appris donc que près de 220 000 adhérents du PS appelés à départager les 3 prétendants à l'investiture socialiste pour les présidentielles 2007 avaient choisi Ségolène Royal. Le score est sans appel. 60% des militants ont donc choisi la candidate plutôt que les 2 candidats après une campagne difficile où parfois, il faut le dire, des mots échangés ont été rudes. Ça y est, c'est fait. Le Parti socialiste a choisi Ségolène Royal. Pour nous en parler, on va accueillir un des soutiens de Ségolène, de la présidente du Poitou pour l'instant, et donc candidate socialiste maintenant, on en est sûr. Ancien président de SOS Racisme, lui, il est secrétaire national du parti en charge des questions de société, proche de Julien André. Il a toujours soutenu Ségolène Royal. Voici Malek Bouti. Bonjour, bienvenue.
alors, voilà, vous devez être heureux aujourd'hui. Ouais, très heureux, ouais. Mais bon, en même temps, pas la grosse tête, parce que c'est qu'un débat interne. Je veux dire, le combat le plus dur, il est devant nous, hein, faut pas se tromper. Bien sûr, mais enfin, quand même, on sait pour Ségolène Royal qu'il aurait été peut-être plus difficile d'affronter un des deux candidats. Imaginons une alliance entre les deux autres au deuxième tour, ça aurait peut-être été moins évident. Non seulement ça aurait été moins évident parce qu'il pouvait y avoir des alliances, mais je dirais que d'un certain point de vue, ça aurait transformé quelque chose qui était un exercice démocratique intéressant, ça aurait peut-être dégénéré. Parce qu'à ce moment-là, tout aurait été ouvert et je crois que ça aurait affaibli le candidat de gauche. Au lieu de lui donner une force, ça l'aurait affaibli. On a pris un risque hein, avec ce vote interne, mais bon, ça valait le coup, je crois. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez choisi Ségolène Royal. Moi, les choses sont très parce simples. Parce que vous saviez qu'elle allait gagner ? Non. Quand je l'ai choisie, en tout cas, elle était encore une outsider, comme on dit. Je l'ai choisie parce que je crois que la gauche a besoin de se renouveler, mais comme l'ensemble du paysage politique, je crois qu'on a besoin d'avoir des gens qui en veulent. Elle a une ambition parce qu'elle a senti quelque chose par rapport au pays, et c'est vrai, il faut être honnête, elle est beaucoup supportée par les gens, je dirais, de la base. Et moi, j'ai vu dans ces meetings, une chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans ces meetings qui n'iront à aucune réunion politique. Ça veut dire qu'elle recrée quelque chose, voilà, mais c'est plutôt une bonne chose. Pour que nos téléspectateurs connaissent un peu les coulisses de la vie politique française, hier soir alors, par exemple, ou hier après-midi, allez savoir vers quelle heure vous avez su, vous ou elle, que c'était gagné. Disons à partir de 21h, parce qu'en voyant le nombre de gens qui venaient voter, on savait que plus il y avait de gens qui venaient voter, plus elle avait de chance. D'un certain point de vue. Les nouveaux adhérents. Il y avait les nouveaux adhérents, puis on sentait qu'il allait avoir un élan. Et à partir de 9h, comme il commençait à avoir les résultats dans les communes rurales qui tombaient, on sentait bien un peu partout qu'elle avait commencé à faire le trou. À partir de quelle heure vous avez arrosé ça ? Non, j'ai rien arrosé. J'ai été me coucher vers 1h du matin. Non, rien du tout. Elle boit pas, du coup hein, elle était à Mel dans sa circonscription. Mais honnêtement, hein, on est content, on est soulagé parce qu'on peut commencer. Mais honnêtement, on se trompe pas du tout. Hein. Vous la jouez modeste. Non, c'est pas qu'on se la joue modeste. C'est que la bataille va être hyper hard contre Sarkozy. C'est un adversaire qui est très difficile. C'est une bataille politique qui va être très dure. Et ce serait une vraie faute, une confusion pour nous de dire on a gagné. C'est un peu comme si une équipe à l'entraînement sortait en disant super, on fait ça. C'est bien entendu. Et au match, se plante. Gérard Miller. Moi, je connais Malek depuis de très nombreuses années. Et vous, c'est un fabuleux. Et ça ne me surprend pas qu'il soit avec Ségolène. C'est-à-dire, comme président de SOS Racisme, puis ensuite comme homme politique, il a toujours été iconoclaste. Et la question que je voudrais te poser, donc la suivante, c'est est-ce que tu as le sentiment que Ségolène fait ce que toi ou d'autres militants avaient fait jusqu'à présent, c'est-à-dire quand même dynamiter une gauche, on va dire ancienne, une gauche qui agace Christine, qui agace une partie de l'opinion. Est-ce qu'elle est obligée, pour arriver au pouvoir, d'une certaine façon, de faire plus que l'inventaire, de foutre aux oubliettes une grande partie de l'histoire de la gauche ? Mais je crois qu'elle voit au-delà. Elle veut dynamiter un système politique global, qui est un système élitiste, enfermé, qui s'auto-reproduisait. Même ceux qui sont dans d'autres formations politiques à droite ou dans d'autres formations politiques, ils vont devoir bouger parce que le petit système est en train de prendre fin parce que c'est pas Ségolène Royal qui fait ça. C'est la société française qui est en train de changer. Alors, je vous écoute, en tout cas, je sens que la stratégie est bien définie déjà. Valérie Mérès. Alors moi, je me suis un peu penchée sur votre dossier. J'ai fait une petite analyse concernant votre biographie pour être... à la hauteur de Monsieur Miller. Alors, j'ai remarqué que d'abord, vous êtes scorpion. Balance. Ah. Balance. Vous êtes encore balance un 20 octobre. Ah, c'est une erreur dans mon analyse. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, vous êtes balance. On part de loin. Je sais pas où on va arriver. Finalement, je me demande si on n'aurait pas dû prendre Strauss-Kahn ou Fabius. J'ai vu que vous étiez écrivain, parce que vous avez écrit un livre. C'est même pas un livre. Oui, mais c'est ne me dites pas ça. Non, vous avez écrit un livre. Vous êtes écrivain. Ok, et on arrive. J'ai vu que vous êtes chevalier. De l'ordre du mérite, c'est oui, vrai. Oui, mais ça, on s'en fout. Vous êtes chevalier. On s'en fout. J'ai vu que vous êtes président. Oui. Et vous avez été réélu. Absolument. Voilà, c'est l'analyse que j'ai faite de Monsieur Bouty. Vous n'en parlerez à personne. Laurent, lui, il dit des trucs vachement gna-gna. Mais ce qu'il faut dire de Malek, pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien, c'est que c'est une des personnes qui, à gauche, a le plus révolutionné le discours sur l'immigration, notamment.
Il avait, à un moment donné, été marginalisé même au Parti Socialiste parce qu'on trouvait que ses propos étaient scandaleux. Il faut bien le dire comme ça. C'était quoi ses propos ? Bah, c'est... Moi, mon idéal était qu'il fallait... Je pense que l'immigration est un jouet dans le débat politique et pas une question. C'est un jouet. Et d'ailleurs, on n'en parle que quand il y a des élections. Et mon idéal était de dire que, à force d'en jouer, on était en train de séparer les Français des immigrés, mais aussi les immigrés des Français. Et on voit la haine remplacer la fraternité. Moi, j'avais plutôt un projet qui était un projet de rendre les choses plus apaisées, plus fraternelles, et de dire les choses qu'on ne dit pas, c'est-à-dire que les immigrés sont très heureux de vivre en France, et je crois que les Français sont très heureux de vivre à côté des immigrés aussi, parce que tout le monde s'enrichit, voilà, et de proposer des choses très concrètes pour arriver à ça, mais c'est vrai que ça a été difficile pendant un moment, mais je crois que ça, c'est, ça fait partie des choses qui vont évoluer, à mon avis, dans l'avenir. Stevie ? La grande différence, j'ai vraiment votre point de vue là-dessus, ce qui démarque Ségolène Royal, l'axe principal qui les sépare, et Nicolas Sarkozy, c'est quoi ? C'est sur quel domaine ? C'est l'immigration les sépare radicalement. Non, c'est pas ça. Non, c'est je crois quoi pas. Je crois qu'on aura une campagne, vous verrez, on ne sera pas dans les clivages d'avant. Je crois que ce qui les sépare vraiment, moi je vais vous le dire en toute franchise, je crois que Nicolas Sarkozy, pour des raisons assez compliquées, il est candidat parce qu'il a une revanche à prendre sur un certain nombre de gens dans son parti, face au président actuel, etc. Il a une ambition personnelle forte. Allez, peut-être on peut l'admirer ou pas. Oui, oui. Non, mais j'ai du respect pour lui, c'est pas ce que je dis, mais. Et il est quand même dans une stratégie personnelle où il a besoin de démontrer quelque chose pour lui, alors qu'elle, d'ailleurs elle est candidate que depuis très peu de temps, elle est dans une stratégie où elle essaie de démontrer autre chose de plus profond. On verra si ça va se marquer comme ça. Mais moi, je crois qu'on aura deux types de campagnes différents. Il y aura d'un côté un homme balèze, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, je ne le conteste pas, et de l'autre côté, une équipe autour d'elle. Et on verra qu'est-ce qui va trancher entre les deux, je dirais, les deux cas de figure. Un mot sur l'édito ce matin dans l'IB de Jean-Michel Thénard. Il dit, il ne faut pas oublier que ce sera la première fois, parce que certes, il y a eu déjà des femmes candidates à l'Élysée, mais ce sera la première fois qu'une femme sera en mesure de gagner l'Élysée. Parce qu'on sait bien que les seules femmes qui ont été candidates jusque-là, Arlette Laguiller ou d'autres, n'ont jamais été en mesure de gagner et d'être présidente de la République. Donc c'est normal qu'on en parle autant. Je le dis aussi pour ceux qui nous regarderaient et qui diraient « Oh là là, qu'est-ce qui nous embête avec Ségolène Royal ?» Il faut dire que c'est un véritable événement parce que c'est la première fois dans la vie de la politique française qu'une femme est en mesure d'être présidente de la République. Ça n'a jamais été le cas auparavant. Voilà pourquoi on en parle tant. Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Par exemple, on parle souvent, moi j'entends dire, les femmes, les minorités. On oublie une chose, par exemple, les femmes sont une majorité de la population. Et c'est quand même un paradoxe dans une démocratie que la majorité soit aussi sous-représentée dans la politique. En plus, c'est une femme qui assume sa féminité. Oui. C'est-à-dire, c'est pas une femme qui se déguise en mec pour faire de la politique. Je dis se déguiser en mec, c'est-à-dire dans son comportement, et qui en plus parle du féminisme. Et une femme qui parle du féminisme, un peu, c'est comme quand on est un peu beurre et qu'on parle un peu d'antiracisme, on dit « Ah non, faut pas en parler, tu comprends, maintenant, truc, ça y est, etc. Et » Et je trouve que ça va, moi je suis d'accord avec toi, ça va changer des choses dans la vie politique, mais même, je crois que ça va aller plus loin. Je pense c'est un événement tour, culturel. Je pense que c'est un événement culturel. Vous me tutoyez, pourquoi ? Parce que je ne suis pas un immigré ? Je pense que c'est un événement culturel parce que moi, mon sentiment, c'est que c'est une campagne présidentielle qui va pas être traditionnelle ou qui va remettre en mouvement la société française. Ouais. Jérémy Michalak, un mot. C'est vrai que vous êtes le spécialiste des questions qui concernent la jeunesse, le racisme, l'intégration, les banlieues, et je voulais connaître votre position par rapport à l'encadrement militarisé pour les mineurs délinquants que préconise Ségolène Royal. Ben moi, ma position, elle est claire. Je crois que à chaque fois qu'on met un jeune, un très jeune de 16 ou 17 ans dans la prison, on le brise à vie. Voilà. Ou on en fait un plus grand caïd. Et en même temps, on ne peut pas dire « Ah ben non, on ne va pas les mettre en prison, on les laisse faire », parce qu'en même temps, il y a un vrai problème de non seulement de délinquance de mineurs, mais il y a pire aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens majeurs qui utilisent les plus jeunes, les mineurs, pour faire les trafics, pour se protéger. Donc, il faut trouver une solution. Et si à un moment, cette solution, elle passe par un encadrement renforcé avec des militaires ou avec qui que ce soit, mais qu'ils leur remettent un peu, je m'excuse de l'expression, du plomb dans la tête, deux, trois éléments pour les sauver dans leur vie, je pense que ces jeunes-là, eux-mêmes, quelques années plus tard, ils diront « Heureusement qu'on m'a offert cette seconde chance de m'en sortir. » Donc, je suis pour. Un mot sur les scores dans les différentes sections, dans les différentes régions, scores obtenus par les uns et les autres. C'est assez amusant de voir quand même, parce que c'est vrai que
un des reproches qu'on a fait à Ségolène, on disait, oui, c'est dans sa région, elle est très autoritaire, dans sa région, c'est terrible ce qui se passe. Enfin, on a beaucoup lu ça, ça c'est vrai. Et quand même, on s'aperçoit combien elle a obtenu de score dans sa région. Ah, elle a fait un carton, je crois. 82%. Donc ça veut dire que ça efface évidemment tout ce qu'on a pu entendre jusqu'avant. Et combien Dominique Strauss-Kahn a fait dans sa région? 42. Il a fait quand même un bon score, soyons honnêtes. Mais sur ces reproches qu'on lui fait. Il a fait combien dans sa région? Il a fait un très bon score, il a fait 56%, je crois. C'est le seul endroit où il a fait un score. Jérémy Michalak. Oui, on se doute que l'insécurité, ça va être aussi un des thèmes principaux de la campagne présidentielle. Moi, je voudrais vous montrer une vidéo qui est en train de devenir culte sur Internet. On en parlait encore dans la presse ce matin. C'est la vidéo qui va mettre tous les policiers de France au chômage. Regardez, c'est le cambrioleur le plus loser du monde. Regardez, ça fait le tour de la planète sur Internet. Il va essayer de dévaliser cette épicerie. Alors, première tentative, il veut rentrer par le toit. Il se casse la gueule. Ça commence déjà très très mal, vous allez voir, c'est pas fini. Donc il grimpe sur le toit cette fois-ci pour essayer de rentrer. Voilà, vous allez voir, il y a tout qui s'écroule. Et lui avec. Et hop, il est tombé. Un peu assommé, il se dit bon, j'ai foiré mon truc, j'essaye de partir. Manque de bol, la porte est blindée. Alors il va essayer de défoncer la porte. Là non plus, il n'arrive pas à l'ouvrir. Là, il réalise qu'il y a une caméra de surveillance. Il va essayer d'éclater la caméra de surveillance, mais vous allez voir que là encore, c'est la loose. Et surtout, il essaye de repartir par le plafond d'où il est arrivé. Et là, c'est la rechute, bien entendu. Il retombe. Vous voyez, c'est là qu'il voit la caméra de surveillance, je crois. Ah, il a le vaudou. Hein. Voilà. Regardez, il voit la caméra et il vise à côté. Et là, il se dit, bon, mais j'ai plus qu'à attendre la police, c'est bon, c'est mort. C'est terrible. C'est au Texas. C'est au Texas, aux États-Unis, c'est quand même pas de bol. Un dernier mot sur la campagne qui va venir maintenant, parce que on sait que du côté de Lionel Jospin, c'est ce qui se raconte, on n'a pas totalement abandonné encore l'idée d'être candidat. C'est une hypothèse qui traîne, hein, on l'a lu dans les journaux en tout cas. Jospin, il y croit encore, il se dit, si jamais elle s'écroule pendant la campagne, je peux encore revenir. Oui, oui, non, mais il peut attendre jusqu'en 2039. Bon, j'espère que ça va durer comme ça encore longtemps. Méfiez-vous, Georges Pompidou peut toujours revenir. Allez, on remercie Malek Bouti pour ce témoignage sur les scores d'hier soir au Parti Socialiste, et puis on espère recevoir prochainement les gens du MP, pourquoi pas Madame Michèle Alliot-Marie ou quelqu'un d'autre pour équilibrer cette affaire. Merci à vous. Merci. C'est la mannequin et comédienne Estelle Lefébure que nous allons maintenant accueillir sur ce plateau après avoir fait la une de plus de 500 magazines. C'est au cinéma qu'elle commence à crever l'écran. On la verra d'ailleurs dans plusieurs longs métrages l'année prochaine. Mais ce soir, elle vient nous présenter un calendrier au profit de l'UNICEF pour lequel elle pose. Bon, pas comme les rugbymen, hein, certains le regretteront, mais c'est aussi pour une bonne œuvre. Les fonds récoltés par ce calendrier seront dédiés au programme d'éducation et de scolarisation des jeunes filles. Voici Estelle Lefébure, pardon. Bonjour, bienvenue. Au profit de la construction et de la rénovation d'environ 300 écoles en Casamance, qui est une région du Sénégal, c'est bien ça? Oui, exactement. Il y a 1 € par calendrier vendu qui ira directement là-bas. À l'UNICEF, tout à fait. Vous avez fait des photos spécialement pour ce calendrier? Ah oui, oui, avec Christophe Mémoun, le photographe. En fait, on avait ce beau projet de faire donc ce calendrier cette année. Et voilà, je trouve que les photos sont jolies. Ah, il y a aussi des messieurs quand même. Oh, allez. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lit avec ce monsieur? Rien du tout, rien du tout. Je suis mariée. Oui, bah justement, ça ne le rend pas jaloux, Arthur? Non. Ça serait pas un monsieur qui aurait ouvert une boîte à 1 million, ça? Non. Pas du tout. En tout cas, c'est un beau calendrier, de jolies photos, vous êtes superbes. Parfois, je me demande quand même, parce que c'est vrai qu'on sait que vous voulez être comédienne et vous l'êtes. Maintenant, on va en parler dans un instant, il y a 2 films, je crois, au moins, qui vont sortir les prochaines. Il y a un téléfilm qui a été tourné ou même diffusé déjà. Des courts-métrages, ça, on le savait aussi. Est-ce que finalement, parfois, vous n'hésitez pas à continuer à poser à faire votre métier de mannequin, de top modèle, parce que ça pourrait maintenant presque vous porter préjudice pour votre carrière cinématographique? Non, c'est pas...
Là, sincèrement, c'était quelque chose, c'était une belle action, donc c'est important. Vous savez, je crois que chacun, si on peut apporter quelque chose et aider l'UNICEF, voilà, moi, c'est ma façon d'aider. Et, Vous faites beaucoup de choses hein, pour l'humanitaire. D'ailleurs, vous êtes aussi la porte-parole de l'association L'Enfant Bleu. Hein, ça fait déjà quelques années. Qui lutte contre la maltraitance des enfants. Il y a aussi une opération qui s'appelle Un bagage pour la vie, un bagage pour Curie. Là, c'est au profit de la recherche contre le cancer des ovaires à l'Institut Curie. Là, vous avez en fait customisé des sacs, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Chacune des personnalités a customisé un sac avec Goyard. Et donc, il sera mis en vente. Les sacs seront exposés à Paris du 6 au 27 novembre. À la boutique Goyard. Vous faites partie de ces personnalités. Il y aura une vente aux enchères. Voilà, qui avec Élodie Bouchèze, Marion Cotillard, Clotilde Courau, Audrey Tautou ont accepté on va dire, prêter leur image pour effectivement cette bonne œuvre au profit de la recherche contre le cancer de l'Institut Curie. Mais revenons à ce calendrier au profit de l'UNICEF. Il est vendu, allez, on va le dire, hein, quand même 7,95 €. Oui, alors c'est vrai, c'est un petit peu plus cher que. Parce qu'en plus, il est vendu avec le gala. Et donc c'est un petit peu plus cher et par contre il faut bien le demander dans les kiosques parce qu'apparemment il y a déjà un petit peu de mal à l'avoir avec l'hebdomadaire Gala n'hésitez pas, ça fait 1 € qui part là-bas au Sénégal. Gérard Miller, écoutez, comment ne pas dire du bien de cette initiative? Les photos sont curieusement soft. Je ne l'attendais pas à ce qu'elles soient comparables à celles qu'on voit dans les calendriers d'hommes. Est-ce que c'est volontaire d'avoir voulu que votre beauté soit devinée plus que montrée? La question à 2 balles. C'est pas parce que les rugbyman montent leur cul qu'elle est obligée de le faire. Exactement. C'est pas son cul. Non, non. On aurait pu avoir de vous des images simplement un tout petit peu moins voilées. Ben non. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité justement ce côté glamour? Parce qu'on voulait plutôt glamour. Voilà. Et pas trop sexy, pas trop vulgaire, mais plutôt chic. Et glamour, voilà. Sophie Garel. Alors, c'est un joli livre d'images. C'est mieux que le calendrier des postes avec les deux petits chats et la pelote de laine dans le panier. Franchement, ça, c'est insupportable. D'autant que le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces trucs-là? Une fois qu'on a vu les images... Ah oui, il faudrait qu'ils aient pensé parce que... Ils n'ont pas mis la ficelle. Ah. Oui, ils n'ont pas mis la ficelle et les petits trous. Alors ça, c'est embêtant. Moi, je l'aurais mis, je ne sais pas. Non, je ne l'aurais pas mis. Mais je veux dire que je ne vois pas tellement l'utilité de cette sortie. Depuis qu'il est vendu, là. Mais il est vendu, mais il y a 1 € seulement pour l'UNICEF. Tout le reste, ça va chez Gala. Mais Gala, j'en veux pas. Oh moi, je non, veux c'est que... même pas Gala. Je veux bien le... Le seul bémol que je ferais... Mais bon, ça, c'est mon côté... Militante. Un peu militante. Celle avec la fourrure est la moins jolie. À cause de la fourrure. Et franchement, j'ai été déçue parce que je pensais que vous faisiez partie des tops qui avaient... Ou alors, vous savez, les tops qui ont fait la photo contre la fourrure et qui après en mettent dans les défilés, excusez-moi, mais l'hypocrisie, c'est pas mieux. Donc moi, à la limite, j'en mets sur une photo, mais j'en achète pas. C'est déjà ça. Christine, bravo. Oui, j'aime bien Estelle, elle est sympa comme tout. Et moi, je l'y voici. Et j'ai vu sa photo dans Voici, un peu de cellulite, ça m'a fait plaisir. Non, je suis une traînée. Je reconnais. Je suis dégueulasse. Mais en tout cas, Christine, je vous trouve très jolie. Oh, mais bah alors, voilà. Tu vois, elle est monstrueuse. Parce qu'en mais plus... elle fait calendrier au Lida la saison prochaine. Non, alors, ce que je veux dire sur Estelle, elle est restée toujours dans la fraîcheur, dans aussi les formes. Et j'en profite de vous avoir parce qu'hier, on regardait ce calendrier avec ma fille et il y avait cette actualité terrible sur la jeune mannequin qui est morte d'anorexie brésilienne. Et elle m'a dit, tiens, j'aimerais bien avoir la vie d'Estelle. Vous parlez de cette mannequin anorexique dont on a vu la maman témoigner Carolina, d'ailleurs, hein, terriblement au journal hier soir. Oui. Moi, j'ai jamais voulu suivre, en tout cas, ce que les agents ou surtout les créateurs ou les rédactrices d'ailleurs pouvaient me dire ou ce que je pouvais entendre, c'est-à-dire sur le fait de maigrir toujours un peu plus et de perdre encore 1 ou 2 kilos de plus. Voilà, moi je... Ou alors il aurait fallu... Oui, parce qu'il aurait fallu que je perde un os, quoi. De toute façon, ma stature, elle est comme ça. Donc je ne pouvais pas faire moins. Et puis en plus, je suis vraiment maintenant choquée parce que je crois que ça va de plus en plus loin. Oui. Je veux dire, manger quelques pommes avant, enfin pendant une semaine pour faire les défilés. Un quart le matin, un quart le midi, un quart à 4 heures et un quart le soir. Au-delà de l'humain, enfin c'est pas humain quoi. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Je veux dire, un jour, il y a des petits Africains qui feront des calendriers au profit des mannequins. On est presque là. Stevie.
C'est la première fois que je vois Estelle. Vous êtes magnifique, hein, autant, je vous le dis directement. Moi, je voudrais vous dire merci parce que grâce à vous, j'ai la peau douce. Parce que dès que je sors de ma douche, le premier réflexe, bon, c'est une marque dont vous êtes encore les régies. Les géries. Les géries. Les géries, pardon. Les régies color, c'est pour les cheveux, les géries, c'est pour autre chose. Les géries, donc je m'en mets et je m'en badigeonne tout le corps dès que je sors de la douche et j'ai la peau hyper douce et je suis sûr que j'ai la peau. Ça, au c'est moins, le mec qui dit que je pose des questions à deux balles. Pour le cinéma, on va parler de deux films quand même. Ils sont tournés ou... Ça y est, j'ai fini de tourner le deuxième, Chrysalis. Alors, Chrysalis, c'est avec Albert Dupontel, Mélanie Thierry, Marc Keller. Marc Keller, que j'adore. C'est un polar futuriste. Ça sortira en octobre l'année prochaine. 2007, donc on aura effectivement du temps pour en reparler. Puis alors, un film qui s'appelle Frontières, où justement, vous allez retrouver Aurélien Wick et aussi Samuel Le Bihan et Karine Testa. Alors, parlez-moi de ce rôle dans Frontières. C'est un film très dur qui... En effet, j'interprète un personnage, on pourrait le dire, monstrueux. La fille d'un ancien nazi. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est... Vous êtes violente, ordurière, il paraît. Oui, guerrière. Ordurière. Ah oui. Vous savez dire des gros mots? Oui. Alors là, j'imagine même... Essayez il a fallu travailler. Non. Dites TF1. Ah, il est fort. Jérémy, ça va. Non, on parle d'anorexie dans le mannequinat. Il y a un autre problème aussi, c'est les castings bidons. Et on mettra jamais suffisamment en garde les jeunes filles contre les castings bidons. Moi, j'ai trouvé une vidéo sur Internet. C'est pas forcément un casting, là, c'est plus une réunion de consommateurs complètement bidonnée. Il y avait une mise en garde, là, c'est juste pour rigoler. Regardez, ça se passe sur une émission de télévision aux États-Unis. Réunion de consommateurs, on va proposer à cette jeune fille de tester un baume pour les lèvres. Alors voici les deux mannequins qui vont se mettre le baume sur les lèvres. Le principe est très simple, on va lui demander d'embrasser chacun de ses garçons pour reconnaître lequel s'est mis du baume. C'est très simple, c'est très con, elle a aucun problème quant à l'idée de les embrasser, donc on lui bande les yeux pour que ça soit un vrai test à l'aveugle. Sauf que là, on va changer les deux mannequins pour en mettre deux un peu différents. Voilà, regardez ce qui arrive. Et là, ce qu'on se demande tous, c'est va-t-elle aller jusqu'au bout? Attention, regardez bien. Apparemment, ça leur pose pas trop de problèmes. Oh là là. C'est terrible. La gourette. Il y en a une qui va y aller carrément avec la langue. Vous allez voir, c'est immonde. Mais c'est affreux. Mais oui. Et regardez, là, on va demander à l'une d'entre elles. Alors, comment c'était ce petit bisou? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez ce que va répondre la jeune fille. Ah, oh, c'était bon. Et la tête du singe qui est content. Donc c'est vrai, ça. C'est où? Je pense que c'est une émission de télévision aux États-Unis. Allez, l'actualité People avec les popolades de Paul Vermus. Pas de conflit, cher Paul Vermus, pas de conflit avec Estelle Hallyday, tout va bien. Il n'y a aucune raison. Il est détesté par la moitié de Paris. Estelle le fait bure. Oh, j'ai dit Hallyday, merde, pardon. Je suis désolé. Ah, bah, parfois ça revient, je suis désolé. Estelle le fait. Bon, merde. Mais non, mais. Estelle. Je vais dire Estelle, voilà. Hein. Pas de conflit avec Estelle. Aucune raison. D'abord, je vous connais que sur papier glacé. Bon, je connais votre époux. Bah, qu'est-ce qu'il y a sur papier glacé? Oui, c'est vrai, vous êtes trop belle pour moi, je trouve. C'est vrai, vous êtes une injustice de la nature. Ah, ça y est, Elle n'est pas encore au théâtre Grévin. Non, pas encore. Franchement, alors, qu'est-ce que vous attendez? J'ai participé avant-hier aux délibérations extrêmement secrètes du musée Grévin. Et au lieu de rire, ce que je vais faire est grave, parce qu'en vous disant tout ce qui s'est passé au musée Grévin, je risque, quand même, Madeleine Chapsal, de me faire exclure. Vous n'avez pas le droit de dire ce qui s'est passé. Non, alors j'ai absolument pas le droit, et je vais quand même le faire. Alors ça mérite peut-être déjà quelques applaudissements pour me mettre ensemble. Alors, qui rentre? Non, je ne veux... Non. Faute de voix suffisante, nous avons rejeté Adriana Carambeu, Laure Manaudou et Cécile de France. Pas de voix suffisante, d'accord? Il y en a deux qui devaient rentrer. Sophie Marceau et Jamel Debbouze, à l'unanimité. Alors là où c'est incroyable, ils ne veulent pas y aller au musée Grévin. Donc, ils ont refusé une fois qu'on avait voté pour eux. Ah,
Jamel et Sophie Marceau ne veulent pas y aller. Ne veulent pas y aller. Alors finalement, on s'est rattrapé sur Ariel Dombal, qui va pouvoir ainsi rejoindre son mari. Mais en cire déjà ? Non. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour Paul Vermus, parce que même si c'est l'un des hommes les plus détestés de France, il a son fan club à l'autre bout de la planète, en Russie, le fan club moscovite de Paul Vermus. J'ai trouvé ça sur Internet. Regardez, il suffit de taper le nom Paul Vermus sur ce site d'un fan de Moscou. Regardez, on appuie sur Enter et regardez, le voilà, le fan de Paul Vermus. Vous n'aviez pas dit ça, Paul ? Quel succès. Je crois que vous avez définitivement atteint votre seuil de compte d'incompétence. J'ai même dépassé. Au revoir à tout le monde, quitter les lieux, c'est mieux pour vous. Hein. La liste des étrangers célèbres qui demandent la nationalité française. Ça, c'est intéressant. Alors, premièrement, Vladimir Fedorovski, il est français. Il est plus russe maintenant. Et grâce à Jacques Chirac qui a accéléré la procédure. Ted Stenger. Alors, lui, il est contribuable. Pourtant, il dit tellement de mal de la France dans ses bouquins. Sacré français, dans le bouquin Sacré français ou dans Sacré fonctionnaire. Mais. Moi, je lui aurais pas accordé la nationalité. Hein, attendez, il l'a pas encore. Hein, il l'a demandé. Eh ben, ça fait 10 ans qu'il est en France. Il est l'ancien correspondant de Newsweek, mais il l'aura très probablement. Alors, il y a votre ancienne fiancée, Elena Lenina, je vous donne de ses nouvelles parce que vous l'avez abandonnée. Je sais pas, quand on quitte quelqu'un, on le dit, mais c'est vrai, vous êtes incroyable. Enfin, pour votre... Je t'embrasse, ma chérie. En fait, plus people, et pour... mais pas définitif encore. Johnny Depp, qui vit plusieurs mois par an dans le midi de la France, aime tellement notre pays qu'il va peut-être renoncer, ou alors avoir les deux nationalités, en tous les cas la nationalité française, pourquoi pas, ça sera pour bientôt. Ça c'était intéressant, franchement. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ben alors qu'est-ce qu'on fait? Et on termine par des nouveaux surnoms. Ah oui, Ségolène Royal, le dernier surnom. Vous savez qu'avant, il y a 6 mois, on l'appelait Cruella, hein, vous vous souvenez? Il y a 3 mois, on l'appelait Marie Bénard, et là, depuis quelques jours, on l'appelle, je trouve ça très joli, Evita Peronel, comme Evita Peron, Evita Peronel. C'est nul. Ouais, bah maintenant tu l'appelles la vainqueur. C'est nul. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? D'ailleurs, je vous rappelle que vous devez à Jérémy Michalak, à Stevie, à moi et à quelques autres un dîner. Oui. Car vous aviez parié qu'elle ne passerait pas au premier tour. Moi, j'avais parié avec vous le contraire, un dîner. Hein. Bon, alors. On ne dit pas où d'ailleurs le dîner, mais. Mais tu l'as casqué. J'espère que tu as assez de sous. Hein. Ça ne t'inquiète pas pour moi. Comme toi, je paye l'ISF. Hein. Pas de soucis. Et le surnom de Marine Le Pen? Alors, elle s'appelle Pitboulette. Pitbull et Pitboulette, voilà, c'est tout simple. Mais d'où vous tenez ça, par exemple? Mais écoutez, il suffit d'aller dans... Mais c'est pas difficile, je suis pas un militant, mais il m'arrive d'aller au PS, me balader dans les couloirs, il m'arrive d'aller à l'UMP... Marine Le Pen, il faut aller au Front National. Ah, je connais aussi les fonds, je connais toute l'équipe du Front National. Comment voulez-vous avoir d'informations? Il faut aller partout. Donc, une pute, il va partout. Je croyais qu'on était amis. Eh bien voilà! C'est pas gentil! Hein? Bon. C'était les pupitades de Pute Vermus! Merci, Paul! On vous verra au cinéma l'année prochaine. Vous reviendrez nous parler de ces deux films que vous avez déjà tournés, Chrysalis et Frontières. Mais votre actualité, c'est une opération humanitaire, une bonne œuvre, ce calendrier 2007, vendu avec l'hebdomadaire Gala. Il y a 1 euro qui part pour les écolières de Casamance, une région du Sénégal. Voici ce calendrier 2007 d'Estelle Lefébure, photographié par Christophe Maimoun, au profit de l'UNICEF. Vous restez quelques minutes pour jouer avec nous. Oh, qui a vu qui? Qui a vu quoi? Alors regardez ce classement. Bon, les meilleurs ne sont pas présents sur ce plateau. Philippe Vandel, Pierre Bénichoux et Elsa Fayer. Mais Sophie Garel est pas mal classée. Gérard Miller aussi. Dans les profondeurs, vous retrouverez Valérie Mérès, Stevie, Jérémy Michalak. Je pense que j'ai été première à une époque. Ah oui, mais l'année dernière, j'étais premier toute l'année. Ouais, attention, tout peut arriver, parce que c'est un jeu où parfois il y a des sommes énormes à gagner, enfin des sommes, des points en tout cas. Regardez la première photo. De qui s'agit-il? Je vous demande pas forcément le nom, oui, allez-y. Combien de points? Pardon? Combien de points? Star Academy, ça? C'est pas la Star Academy. Mais je sais qui c'est, mais combien alors, de points? Allez, si vraiment vous savez qui c'est, parce que là c'est fort, je vous donne 5000 points. C'est le festival de slam. Abd al-Malik, c'est le lauréat du prix Constantin qui a été gagné là, il n'y a pas longtemps. Bravo Valérie Mérès. J'ai lu les journaux.
Prix Constantin qui a été décerné à l'Olympia. Le jury était présidé par Bernard Lavilliers qui était venu nous en parler avec Clarica. Et c'est pour ça qu'on est heureux de vous donner le résultat. C'est le rappeur et slameur Abd al-Malik qui a remporté ce prix Constantin à l'Olympia. 5000 points pour Valérie Mérès. Photo suivante. Alors là. Non, non. C'est quelqu'un qui vient de mourir? Non, non, non. Il est vivant? Non, il est toujours vivant, on l'a retrouvé en fait. Pour tout vous dire, ça vaut 10 000 points. C'est un acteur célèbre? Non. C'est un auteur célèbre? Non. Un politique? Non. Ah bon. Mais il est dans l'artistique ou il est... On pensait qu'il était mort. C'est quelqu'un qui avait disparu. Disparu, qu'est-ce que vous voulez dire? Puisqu'on l'a retrouvé. C'est-à-dire qu'en fait, on savait pas trop où il était. Oui, voilà. Donc il avait disparu. Ah, elle, c'est pas Jacques Médecin? Pardon? Jacques Médecin. Mais non, il est mort. Ah bon? Il est américain? Il est américain. Et il vit en France? Non. Il vit en Amérique? On l'a retrouvé au fin fond de l'Ohio. Ah. D'habitude, on est proche de l'Ohio. Oui, dans un état proche de l'Ohio. On va monter à 20 000 points. Ah, ben, attendez. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un acteur. Un il a eu un moment de célébrité. C'est un astronaute. Voilà, je cherchais son nom. L'homme qui a marché sur la lune. Bravo, Stevie. Non, ben moi, c'est fini, voilà. Tu vas voir dans mon émission. Je te donne plus rien. Neil Armstrong, 20 000 points. Je cherchais le nom. Ça me fait chier. Photo suivante. Alors là, attention, ne répondez rien, parce que cette photo a déjà été présentée cette semaine, je le dis pour nos téléspectateurs, à 6 chroniqueurs. Et comme ils n'ont pas su répondre, ils ont eu 500 points en moins chacun, parce que nous avons trouvé scandaleux que nos chroniqueurs ne sachent pas trouver cette réponse à cette photo. Pocahontas. Si vous trouvez la bonne réponse, vous aurez 10 000 points. Si vous ne trouvez pas, vous avez tous sur le plateau c'est 10 000 points en moins. On voit que Ségolène est passée là. Tu commences à être maître d'école. Parce que ça prouverait deux choses. Un, que vous ne suivez pas l'actualité, ce que nous avons reproché aux chroniqueurs précédents cette semaine qui ont perdu 500 points. Deux, que vous ne regardez pas l'émission puisqu'on a déjà passé la photo il y a deux jours. C'est la femme qui a remplacé Bernard Kouchner à l'Organisation Mondiale de la Santé. 5000 points pour Valérie, 5000 points pour Christine. Bravo. Vous sauvez vos petits camarades. Madame Margaret Chan, elle n'a pas remplacé, comme vous l'avez dit, Bernard Kouchner, mais ils étaient candidats l'un contre l'autre à la présidence de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est elle qui l'a emporté, médecin chinois. Elle a été élue directrice de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est le public qui a soufflé. Je dis pas ça, alors qu'il y a les points. Non, mais Valérie, elle est là. Mais vous avez raison, Christine, on lui a soufflé. C'est vrai. 10 000 points pour Valérie. Photo suivante. De qui s'agit-il? Josiane Balasco. Non, 20 000 points. Une actrice. 20 000 points, une actrice. Une comédienne française. Une comédienne française. C'est la femme greffée du visage à qui on a enlevé les yeux. Non, Catherine Fraud. Non, 20 000 points. C'est une comédienne connue, célèbre. Oui, connue, célèbre. Yolande. 30 000 points. Nathalie Baye. Non, 40 000 points. 40 000 points. Elle est Élie Mathy. Non, 50 000 points. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, non. Elle... Vous l'avez sous les yeux. Et ça le fait mûre. C'est Figaro, Valérie Mérès. Valérie Mérès, c'est Sylvie qui remporte 50 000 points. Valérie Mérès. Quoi? Montrez pas cette photo, je fais une horrible bonne femme. J'ai été à fond dedans. Hein. Mais c'est ça d'être comédienne, Thierry, mais c'est bien. Mais montrez pas les photos parce que... Bah écoutez, c'est un rôle extraordinaire que vous avez et ça passera. 50 000 points, j'ai gagné là. Nous, on dit Estelle Lefébure. J'ai gagné 50 000 points. Vous l'avez sous les yeux. C'était ta carrière là, ça y est. Vous étiez reconnue quand même. Pas tout de suite, après. Après, j'ai dit. Mais non, parce que je n'ai pas voulu me regarder, hein, parce que le rôle est magnifique. En plus, c'est une psychopathe. Hein. Ça s'appelle La Blonde au Bois Dormant. Ça passe demain soir sur France 3 à 20h50. Le samedi et dimanche. C'est en deux parties. En deux épisodes. Premier épisode demain soir. La Blonde au Bois Dormant avec Léa Drucker, Jonathan Zakaï et vous, Valérie Mérès, dans un rôle... une participation. Mais alors. C'est un rôle incroyable. Ah, mais c'est épouvantable, mais c'est...
C'est l'antithèse de ce que je suis. Non, tu seras comme ça, mais c'est toi dans 30 ans. Vous êtes une criminelle ? Je le dis pas, non, non, je dis pas ce que je suis. Mais c'est une belle métamorphose encore. Mais voilà, mais j'avais pas du tout envie de me voir. Merci Laurent. 50 000 points pour Stevie Boulet. C'est n'importe quoi, parce que moi je fais ça. Ça fait deux fois que tu me bruges. Le calendrier d'Estelle au profit d'UNICEF en vente avec l'hebdomadaire Gala. Merci Estelle, à très vite, on reparlera plus. Nous on se retrouve demain soir, samedi à 23h pour On n'est pas couché. Retenez bien l'horaire, c'est plus comme d'habitude, 23h. Et avant, à 19h, bien sûr, vous aurez retrouvé Christine Bravo pour On n'est pas couché sans le patron, avec pour inviter l'âme et les frères Bogdanov. Bye bye, à demain soir, 23h.